Excellencies, colleagues, ladies and gentlemen, depuis plusieurs semaines, la Conférence mondiale des radiocommunications symbolise la solidarité des peuples réunis qui ouvrent en commun à gérer au mieux et dans l'intérêt de tous des ressources que nous partageons ensemble. Les spectres radioélectriques et l'orbite des satellites géostationnaires sont des valeurs presque intangibles et qui pourtant nous entendent et font aujourd'hui parmi de notre quotidien. Vendredi, ce sont d'autres valeurs, aussi impalpables et pourtant indissociables de la nature humaine, qui ont été attaqués et frappés des pleins forêts par les terroristes à Paris. Toutes nos pensées sont en ce moment avec les victimes, leurs familles et leurs proches. Toute notre solidarité se tourne vers le peuple de France, symbole et porte-drapeau des droits de Rome, dans toute sa vérité, culture, politique, religieuse. Toute notre affection entoure la délégation française qui poursuit ce matin sa tâche, le cœur lourd. As you know, there was an attack in the Beirut suburb of Bush al-Bahjani with a number of fatalities and injured. And during the last days, there were other terrorist attacks in various countries. On behalf of ITU, I condemn these senseless and despicable attacks. And on behalf of all of us gathered here, I would like to express our deepest condolences to the victims and their families, and wish a speedy recovery to those injured. We stand firmly with the people and the government of France, and with others who suffered from those terrorist attacks. I assure you that ITU is working closely with the Geneva authorities and the UN Security Management Team to ensure the safety and the security of all delegates attending WRC 15, as well as ITU staff. ITU staff and I shall do our utmost to be of any assistance to you in these difficult times. In the meanwhile, I can also assure you that WRC 15 will continue with its important deliberations without any hindrance whatsoever. Je suis convaincu que les valeurs de tolérance, de compréhension, d'échange, de compromis et de solidarité qui porte la mission de l'UIT et les travaux de cette conférence ne pourront que sortir renforcés par ces actes de violence aveugle. Nous nous tenons donc debout avec vous. Nous sommes à vos côtés et faisons face ensemble à notre destin commun. Merci beaucoup. Thank you.